Bonsoir, bonsoir à tous. C'est dans l'actu vue de l'école. Nous accueillons ce soir le nouveau directeur académique de l'éducation nationale en Sarthe, Jean-Marc Milleville. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez pris vos fonctions il y a un peu plus d'un mois à la suite de Jackie Crépin. Et vous connaissez plutôt bien le département, je crois savoir. Je connais bien le département pour y avoir travaillé il y a assez longtemps, hein, puisque j'ai été professeur de sciences naturelles au lycée de Sillé-Guillaume. J'en ai gardé un excellent souvenir, puisque... J'ai 4 enfants, mais il y a 3 enfants qui ont grandi à Sillé-le-Guillaume, la forêt, le lac, etc. Donc j'ai un très bon souvenir et j'étais très content de pouvoir retourner en Sarthe dans de nouvelles fonctions. C'était en quelle année? Les années 80, c'est ça? J'ai quitté la Sarthe en 1990. Et ensuite, vous avez fait votre parcours de professeur, puis oui. De responsable dans l'éducation nationale. Hein, tout c'est à ça, fait. J'ai été professeur, puis après j'étais chef d'établissement, principal et proviseur. Et puis ensuite, j'ai pu accéder à ces fonctions d'inspecteur d'académie, adjoint d'abord, puis inspecteur d'académie, directeur académique de département. Alors le directeur académique, justement, c'est le responsable de l'enseignement dans le primaire et le secondaire dans le département. Oui. 6 000 enseignants hein, sont sous votre responsabilité. Quel rôle exact vous jouez auprès d'eux? Vous êtes leur patron, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je ne parlerai pas en termes de patron, je suis plutôt le pilote de l'éducation nationale dans le département, selon les consignes qui me sont données par le recteur, hein, selon les orientations, le recteur qui tient lui-même ses orientations de la ministre. Hein. Donc c'est mon rôle de décliner sur le département l'ensemble, de décliner l'ensemble des consignes et de piloter, et c'est une légère différence avec le fait de diriger. Alors vous êtes fixé notamment 2 priorités. D'abord, la lutte contre le décrochage scolaire. Comment se situe, alors c'est vaste, hein, comment se situe le département par rapport à ses voisins de la région? Alors le décrochage scolaire, on aimerait mieux nous parler de persévérance, parce que c'est vrai que persévérance scolaire, c'est plus un terme plus positif, mais le décrochage scolaire, c'est un vrai fléau. Le département n'est pas très bien placé vis-à-vis de l'ensemble de l'académie. Il faut quand même souligner que l'Académie de Nantes est quand même, dans ses résultats, pratiquement la meilleure académie de France. Mmh. Ce qui fait que ne pas être très bon, ce n'est pas forcément être catastrophique. Mmh. Mais néanmoins, c'est un phénomène important, puisque actuellement, on perd dans l'ensemble de la France 130 000 élèves qui décrochent sans diplôme ni qualification. Qui arrêtent l'école. Qui arrêtent l'école et qui se retrouvent sans qualification. Et cette difficulté, on sait que moins on a de diplôme, plus il est difficile de trouver un emploi. Mmh. Donc, le travail dans la Sarthe, où il y a un décrochage qui existe, un décrochage relativement important par rapport aux autres départements de l'Académie, c'est justement, mon travail, c'est justement de lutter contre ce décrochage et de créer une persévérance scolaire. Alors il y a le lycée de la Nouvelle Chance au Mans, hein, qui accueille 40 élèves, ça ne suffit pas. Oh, il y a bien d'autres choses, hein. Le lycée de la Nouvelle Chance, c'est pour des élèves à qui on a donné... à qui on donne une nouvelle chance après d'autres choses. Mais le décrochage scolaire, le lycée de la Nouvelle Chance, c'est quelque chose qui traite une fois que le décrochage est arrivé. Je pense que, comme pour toute difficulté, comme pour toute maladie, le travail en amont est bien plus important, la prévention. Donc le travail contre le décrochage scolaire va commencer même éventuellement dès des repérages, dès l'école élémentaire, où on voit des élèves qui ne sont pas motivés, on va essayer de travailler avec eux. Mmh. C'est un travail important qui doit être mené dans les collèges, avec la réforme du collège, entre autres l'arrivée du parcours avenir, qui fait que depuis la 6e jusqu'à la terminale, on va accompagner l'élève dans ses choix d'orientation, essayer d'augmenter son ambition, de faire qu'il puisse mieux réussir. Est-ce que vous avez des moyens supplémentaires pour ça? Puisque la Sarthe est un petit peu à la traîne. Il y a des moyens importants qui sont donnés. Il y a des personnels qui sont dédiés. Je citerai par exemple, il y a 2 personnes titulaires qui font ça au lycée Funès, Hélène Boucher. Et on vient en plus de recruter une personne en service civique. Je parle simplement du lycée Funès, Hélène Boucher. Mais on a une mission de lutte contre le décrochage scolaire, qu'on appelle la MLDS, académique, qui fonctionne et qui a des moyens conséquents permettant de lutter contre ce fléau. Alors au collège, maintenant il y a 30 000 élèves dans le département. Mmh. 12% des élèves de 6e qui arrivent en 6e ont déjà redoublé. La Sarthe est 84e sur 96 départements. Qu'est-ce qui explique ce mauvais résultat? Ça aussi c'est un défi. Le doublement, c'est un indicateur qui n'est pas forcément fiable de la qualité de l'enseignement qui est produit avant. C'est aussi une tradition. La nouvelle loi qui va entrer en application la rentrée prochaine interdit quasiment le doublement. Le doublement, c'est souvent handicapant pour les élèves, en ce sens que l'enfant qui redouble
ça va très bien le premier trimestre, mm-hmm. et ensuite ça se désagrège. Pourquoi ? Parce que il y a une image de soi qui est dévalorisée en disant « j'ai perdu mes camarades, je suis quelque part malgré tout relégué dans une classe inférieure ». La solution aux difficultés scolaires consiste à avoir des méthodes individualisées ou personnalisées pour les élèves, avec des PPRE, des plans personnalisés de réussite éducative, des soutiens particuliers, des plans d'accompagnement pour les élèves qui sont handicapés, etc. Des plans d'accompagnement aussi pour qu'on appelle les PAP, plans d'accompagnement personnalisés pour les élèves qui sont dyslexiques, par exemple. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un redoublement qui est une solution unique pour un problème complexe. Et qui amène une perte de confiance. Qui amène une perte de confiance et qui, dans plus de 80% des cas, échoue. On essaie de trouver des mécanismes, des protocoles qui vont permettre d'individualiser, c'est-à-dire ne pas donner le même médicament à toutes les pathologies. Hein. Un élève qui est en difficulté peut être en difficulté pour un grand nombre de causes différentes. Et à ce moment-là, on va avoir un traitement adapté à la cause de l'élève. Dans le premier degré, donc la maternelle et l'élémentaire, vous prévoyez, alors ça c'est intéressant, c'est inquiétant en même temps, près de 900 élèves en moins, là dans les mois qui viennent. Comment on explique cette hémorragie ? Alors là, en l'occurrence, l'éducation nationale est relativement sereine vis-à-vis des causes, hein, puisque c'est pas l'éducation nationale qui produit les élèves. Les premières analyses qu'on a pu faire, c'est que cette baisse démographique est particulièrement importante dans une sorte de croissant qui part de Mamers, qui passe par Saint-Calais, Vibray, et qui arrive jusqu'à La Ferté-Bernard-Sablé. Le Mans est épargné. Voilà, le Mans est globalement épargné, même s'il perd quelques élèves. Et les premières analyses donc, qu'on a pu montrer, c'est que c'est lié à la situation économique de ce secteur. Et qu'il y a des départs de familles. Qu'est-ce que cela implique ? C'est des fermetures de classes, évidemment, à la rentrée. Il y aura une ébauche de la carte scolaire en avril, je crois. La carte scolaire sera terminée fin février. Fin février. Voilà. Je ne vais pas trahir aucun secret aujourd'hui, mais je pense que le ministère est conscient de la situation et que très certainement il y aura des fermetures de classe, mais que globalement, je crois pouvoir dire que le taux d'encadrement dans le premier degré dans le département va augmenter. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas autant de suppressions qu'on aurait pu le craindre au vu de la perte d'élèves. Avec 900 élèves, c'est en théorie, le calcul arithmétique, 50 postes de prendre premier degré qu'on aurait dû perdre. Et on sera vraisemblablement bien loin de ces 50 postes, ce qui permettra, nous, d'augmenter le ratio professeur-élève et ainsi de continuer à lutter contre la difficulté scolaire et après le décrochage scolaire. Alors, on passe aux notes sur 20. Le 31 décembre, le gouvernement a décidé en primaire de supprimer ces notes pour passer d'un positionnement de 1 à 4. Alors certaines associations de parents d'élèves dénoncent une perte de repères justement pour les élèves et les professeurs. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Il n'y a pas de suppression des notes. En France, on a la liberté pédagogique pour les enseignants. Les enseignants qui veulent travailler toujours avec des notes le peuvent. Ils peuvent travailler avec des lettres, avec des notes, avec des notes sur 10, avec des notes sur 20, peu importe. En revanche, ce qui est indispensable, c'est qu'on sache pour les parents où en est leur enfant. Et donc, il y a effectivement 4 niveaux de réussite ou d'échec. Une maîtrise insuffisante, une maîtrise fragile, une maîtrise satisfaisante, une maîtrise très satisfaisante. Si on vous dit vous maîtrisez de manière insuffisante, c'est clair et net pour les parents hein, et pour le jeune. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de ne pas le système des notes avait présentait la difficulté de dire que avec une note on classait l'ensemble de ce qui se passe par exemple dans une rédaction. Or dans une rédaction, 10 sur 20, c'est l'orthographe, le soin, la syntaxe, l'écriture, le fond, le style. Or, maintenant, on pourra savoir, parce que... Là, il s'agit d'encourager les élèves. C'est d'encourager les élèves, et c'est pas parce que on est mauvais en orthographe qu'on est mauvais en rédaction. Il y a des très grands hommes d'État qui ont laissé des traces importantes dans l'histoire de France, qui étaient catastrophiques en orthographe. Exemple...
Napoléon Bonaparte. S'il avait peut-être été nommé sur 20, il aurait continuellement 0 sur 20 en dictée. Alors, c'est pas pour autant un mauvais élève. Un dernier mot, très court, parce que le temps passe, sur la laïcité. On vient de commémorer les attentats de Charlie. Les professeurs sont-ils aujourd'hui armés pour parler de la laïcité? On entend par-ci et par-là que c'est trop théorique, que eh bien, certains n'osent pas en parler puisque c'est trop compliqué. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors plutôt que de laïcité, je parlerai des valeurs de la République. C'est un terme plus générique, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, qui commencent à nouveau à résonner. On le voyait au fronton des monuments, puis on se disait, on était habitué. Finalement, dans ces temps actuels troublés, on commence véritablement à y réfléchir. Et donc, y a un plan de formation pour les enseignants, effectivement, important. On croyait que c'était quelque chose qui allait de soi, que la laïcité, que la liberté, égalité, fraternité, on comprenait tous la même chose, et on s'est aperçu que ce n'était pas forcément le cas. Il y a un plan de formation d'ampleur, mais comme vous pouvez l'imaginer, on ne va pas former l'ensemble des enseignants de la Sarthe en un claquement de doigts. Alors il y a d'autant des référents, plus, voilà, il y a tout un programme, et un programme de formation qui sera important cette année. On a un gros programme de formation sur la réforme du collège aussi, qui fait qu'on ne peut pas tout faire en même temps pour tout le monde, mais il y a un programme de formation important de manière à ce que les enseignants soient armés pour mettre au clair parfaitement leurs idées, ce qui sera le cas, ce qui est globalement le cas, mais améliorer encore cette compréhension, et ensuite pouvoir la faire passer pour pouvoir faire en sorte que les Français, les jeunes Français et les jeunes personnes, enfants habitant sur notre territoire, puissent intégrer les valeurs de la République et qu'on puisse en faire des citoyens éclairés et critique. Mais merci Jean-Marc Milleville d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le nouveau directeur académique de l'éducation nationale en Sarthe.